Maël Lépissier, à votre analyse de cette rencontre, on a l'impression que la victoire de Louvain elle est méritée aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que dans l'ensemble, elle est méritée. Maintenant, nous, on était venus ici pour prendre un point, pour essayer de se remettre un peu en confiance, parce que après les derniers résultats qui n'étaient pas bons, on a essayé de jouer à 5 derrière, d'essayer d'être un peu plus solide. Et au final, on prend ce but en début de match où on fait un cadeau un peu, on fait une erreur. Donc c'est vrai que ça change un peu tout. Et puis c'est vrai qu'on court pas mal après le ballon. Ils arrivent bien à maîtriser la balle. Et nous, avec un système qu'on connaît peu, on a eu aussi des difficultés à les presser et aussi à les mettre en difficulté. Donc bon, c'est assez logique dans l'ensemble. Dans un système avec 5 défenseurs, avec 3 milieux qui ne sont pas forcément créatifs, qui sont plutôt à vocation défensive, c'est difficile de se créer des occasions. Ouais, c'est difficile. Maintenant, on espérait ne pas prendre ce premier but qui tombe et qui change un peu tout pour nous. Maintenant, voilà, on a tenté quelque chose, ça ne s'est pas passé aujourd'hui, même si à la fin, à 1-0, il y a peut-être ce pénalty, je ne sais pas si le bras est décollé ou pas, et ça va tellement vite. Donc voilà, malgré ça, on n'était pas ridicule aujourd'hui, mais c'est vrai que par rapport à la formation qu'on a mise en place et le déroulement du match, eh ben, ça n'a pas collé aujourd'hui. C'était un contexte un peu particulier avec Dennis Van Wijk qui signe à Roulers alors qu'une semaine avant, il était encore l'entraîneur ici. Il vous a aidé, j'imagine, dans la préparation de ce match face à une équipe qu'il connaissait bien. Oui, c'est sûr, il nous a aidé. Maintenant, lui, il va vraiment prendre ses fonctions à partir de lundi. Donc voilà, franchement, nous, on pensait pas à ça, on pensait seulement à Louvain et le match d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas démérité leur victoire et nous, il va falloir qu'on continue à travailler pour essayer de regagner des matchs. Parce que Roulers encaisse beaucoup, c'est la plus mauvaise défense de la Proximus League, c'est là aussi qu'il faut commencer à travailler. Ouais, c'est vrai, on encaisse beaucoup. Maintenant, il y a eu 3 matchs où on a pris 4 buts. Donc c'est clair qu'après ça... Forcément, ça fait du mal au compteur but encaissé. Maintenant, je sais qu'on va repartir, on a bien commencé. Là, on est dans un creux. Maintenant, je sais qu'il y a la qualité pour repartir. Il faut juste qu'on mette la bonne équipe et que ça reparte. Il n'y aura pas de souci. Tom Koopaert, wat zekerheid ingebouwd bij Roeselaar, maar uiteindelijk heeft het toch niet geloond. Nee, ik denk dat we de eerste doelpunten weggeven. Daar begint het eigenlijk mee. Daarna hebben we eigenlijk wel, dacht ik, ons redelijk goed stand gehouden in deze wedstrijd. En Casagolda had 2 goede kansen gekregen, maar anders denk ik heel weinig weggegeven. We hebben ook het gevaar Storm redelijk goed kunnen lamleggen. Offensief hebben we een paar keer kunnen prikken, maar niet echt concreet. In de tweede helft vond ik ons iets beter in de wedstrijd, minder technische fouten. Maar dan neem je risico en dan loop je op een counter. Minder technische fouten, zeg je, maar je kwam niet aan kansen, hè, in die tweede helft. Ja, toch. De eerste half uur, zeg maar. Ja, oké. Was ook het teken van die 1-0 te houden. En dan hadden we afgesproken aan de rust ook om dan later in de wedstrijd wat risico's te nemen. Ik denk dat we dat plan zo is kunnen uitgevoerd worden. Maar goed, dan krijg je natuurlijk, als je te veel risico's begint te nemen, dan is het risico op een tweede doelpunt iets groter dan dat je zelf inmaakt. En dat is zo gebleken. Maar ze waren wel een beetje in paniek, hè, bij Leuven toen jullie alles naar voren gooiden. Je zag het ook wel aankomen dat jullie dat zo gingen doen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat naar mijn gevoel de 2 centrale verdedigers de hele wedstrijd in paniek waren. Dus we hebben daar echt op beginnen in te spelen. Moet ook zeggen dat we misschien iets te weinig gebracht hebben van de bank. Ik had daar iets meer verwacht toch. Maar uiteindelijk blijf je achter met 0 punten. Jullie probeerden die centrale verdedigers vooral op snelheid te pakken, maar er was niemand die ze kon leggen achter de defensie. Ja, voilà. Dus daarom ook het indringen van Guy, hè, om die balletjes proberen daar te leggen. Ik dacht dat een aantal keren een snelle combinatie tussen Sandro en Davy even heel goed lukte. Maar weet je dat het heel moeilijk is. Dat weet je sowieso, maar een kleine kans is een kleine kans. En die kan uiteindelijk ook een doelpunt worden. Dan hoop je daar ergens op. En dit lukte iets te weinig, daar ben ik mee akkoord. Maar langs de andere kant denk ik wel dat we even goed eentje hadden kunnen maken vandaag.
Jullie moeten Leuven nu laten gaan in het klassement. Ze staan voorlopig nog op de vierde plek, maar het dreigt wel dat de anderen gaan dichterbij komen nu. Hè? Er moet snel wat veranderen, denk ik, dan bij Roeselare. Tuurlijk, wij hebben nu twee thuiswedstrijden. Dus dat zou misschien in die wedstrijden beter kunnen lukken voor ons dan in uitwedstrijden. Maar het is duidelijk dat we nu moeten punten pakken om zeker de trein van de eerste vier mee te kunnen rijden op die trein. Werk voor Dennis van Wijk. Ja, samen. Hè. Dat gaan we samen moeten doen. Maar in elk geval, ja, sowieso, dat wist hij sowieso. Hè.